C'est la première fois que vous venez ici à Martinique ? Oui, bonjour. On est venu en famille pour découvrir la Martinique. On adore les Caraïbes et puis c'était l'occasion aujourd'hui, parce qu'on loge à Tarzane, de découvrir le départ des yoles au Robert. Et c'est beaucoup d'émotion de voir ce départ de ces anciens bateaux de pêche, quoi, finalement, qui partent à une vitesse folle et voilà, qui se concurrencent. En plus, on a compris qu'il y avait une concurrence entre les équipes de certaines villes avec les bateaux, les sponsors, et c'est vraiment fabuleux, ça attire plein de monde. C'est plein de couleurs, c'est vraiment bravo, c'est super, belle expérience. Merci beaucoup pour nous. Je pense que vous allez avoir du goût, vous revenez ici en Martinique pour pouvoir chaque saison. Ouais, puis sur le continent, on va beaucoup parler des yoles et des courses de yoles, parce que nous, on a le Tour de France, mais maintenant, on le regarde plus trop, et puis ça, c'est pour nous, c'est nouveau. Et voilà, les sports nautiques, nous, on adore. Et vraiment un grand bravo à toute l'île, superbe. Vous savez, il y a eu une équipe qui a traversé la Manche dernièrement. C'était la Manche jusqu'à Calais. L'Angleterre à la Manche. Vous l'avez suivi peut-être ? Non, mais là on a parlé avec l'ambassadeur des yoles sur la Martinique. Il nous a expliqué ça, qu'il y a eu cette expérience. Donc pourquoi pas, oui, exporter votre activité, ce sport magnifique, vers l'Europe, pourquoi pas. Nous, je sais qu'il y a beaucoup de régates en Bretagne, en Vendée, etc. Donc pourquoi pas exporter. Ça serait une superbe idée pour promouvoir cette activité nautique ancestrale et vraiment fabuleuse. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir eu l'occasion de vous donner l'impression. Donc, alors, on va vous souhaiter de